Move. It's time. Move. Wake up. 6h-9h. Good morning, Sofran. Salut ma pote. Salut mon pote. Et salut l'Algérino. Ouais. Merci l'Alger d'être avec nous ce matin sur Move et bienvenue dans Good Morning Sofran. Merci pour l'accueil, la famille, ça fait plaisir. Pas de quoi, c'est nous, l'Algérino, et qui est l'Alger. Et qui le, matin, le matin, c'est dur, mais ça fait plaisir d'être là. Mais t'es un artiste international, on va en reparler, mais du coup, il faut être professionnel, donc t'es à l'habitude de tout ça. En tout cas, l'Algérino, c'est quand même plus d'un milliard de vues sur YouTube, donc 357 millions avec les menottes. Elle t'a mis les menottes. Le titre qui est bien parti pour le dépasser, eh bien c'est Va Bene. 105 millions de vues en deux mois. C'est incroyable quand même, c'est incroyable, c'est la folie. Titre extrait de la BO de Taxi 5, mais qu'on retrouve également sur International, ton nouvel album qui arrive le 22 juin. Voilà, dedans tu parles pas mal des relations avec les femmes. Alors Vivi va te poser quelques questions sur toi et tes rapports avec la gente féminine d'ici quelques minutes. Du coup lui, bah Gianni, on va voir si t'arrives à draguer Vivi en voiture. On va faire du cinéma. Et puis Mike va tenter de te faire parler en différentes langues parce qu'apparemment t'es un artiste international comme on l'a dit, mais... Tu nous as dit que c'était peut-être pas ça, donc il y a une arnaque là-dessus. On va voir. Tu vas aussi rentrer dans la Willax Air avec Willax qui vient d'arriver dans les studios. Puis on va découvrir l'ensemble de ton album. Et bien sûr, avec moi ce matin, Vivi, Gianni, First Mike, Willax aussi, comme chaque vendredi. Et notre invité, l'Algérino, qui est là pour International. L'album arrive le 22 juin. International, c'est ton 8e album. 8e déjà, ça fait... C'est ouf. Ça commence à faire beaucoup. Bah ouais, t'es dans le game depuis longtemps en fait, mais on dirait que t'es frais comme jamais. Eh ben franchement, ça fait plaisir. C'est quoi ton... En tout cas, je m'amuse toujours autant. Je sais pas, t'as raison, c'est une seconde jeunesse. Ça fait 3-4 ans depuis que j'ai sorti Oriental Dream avec Prince de la Ville. Ouais. Après, il y a eu Banderas et tout. J'ai l'impression de m'être vraiment, vraiment trouvé musicalement. Et depuis que j'ai commencé à prendre vraiment les rênes de ma carrière, à réaliser mes clips, tout ça, je me régale vraiment, vraiment, je m'amuse. Parce que t'as été un artiste régional au début au niveau de Marseille, puis un artiste national, hein, connu dans toute la France. Et aujourd'hui, tu pètes dans différents pays. C'est pour ça que l'album s'appelle International. Voilà. Est-ce que tu parles plusieurs langues ou pas? On va reparler tout à l'heure, mais réponds-moi là pour l'instant. Je parle quelques langues. Tu parles quoi, français, arabe? Un peu anglais, un peu italien. Ça m'arrive de parler espagnol. Un peu espagnol, bon, on verra ça. Il faut parler plusieurs langues quand on est artiste. Turc aussi. Comorien. Ça commence à faire pas mal de langues. Ouais. Dans quel pays t'as le plus de buzz selon toi? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Faudrait que je regarde un peu mes statistiques et tout. C'était un top 3 des pays les plus chauds. La Hollande, c'est chaud. La Hollande, c'est chaud. Bon, la France. T'as l'Algérie. Ouais, mais mis à part la France. Ouais. T'as le Maghreb. Normal, ouais. Et après, bizarrement, t'as des pays comme. Là, je pars en Suède. Je pars en Norvège aussi. On a un concert à Londres aussi. Et je fais une date à New York. Aussi. Ah ouais. Donc ok, mais parce que si tu tournes dans tous ces pays-là, c'est aussi que tu tournes dans des radios dans d'autres pays comme Fun X en Hollande. Exactement. Moi, ma grande surprise, la première fois que j'ai joué en Hollande, à peine j'atterris et celle qui m'a booké là-bas, elle me dit que ce soir c'est full, on veut en mettre encore une deuxième le lendemain. Moi, je trouvais ça risqué. C'est la première fois que j'y vais. Elle m'a dit: casse pas la tête, c'est full, t'attends tous. J'ai ok. Et dans le taxi, elle met la radio. Et j'entends mon son dans l'une des plus grosses radios hollandaises. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Ça fait combien de temps que ta carrière a pris une ampleur internationale? Ça fait, on va dire, je pense, depuis Prince de la Ville, ça fait 2-3 ans. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'aussi, t'es pas refrais, mais t'as un second souffle dans ta carrière. Mais quoi. Et c'est en plus, c'est ça qui me motive le parce plus. Parce que ça marchait bien avant aussi. Hein. C'était bien, mais le délire d'aller chanter devant des gens qui comprennent pas ta langue et qui sont sensibles à ta musique, et le fait de voyager et tout, c'est ça vraiment qui me motive en ce moment. Du coup, ça t'a fait changer ta manière de faire ta musique? À fond. Maintenant, quand je fais des titres... De toute façon, moi, j'ai toujours été un mec spontané en studio. Je calcule pas trop. Mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire que
quand je fais un titre, je me demande qu'est-ce que l'Hollandais ou l'Allemand, il va encaisser le son, tu vois. C'est un truc de dingue. Ah, il y a la police. Ouais, c'est un peu. Mais t'as intérêt à être fort mélodiquement. Ouais, il y a beaucoup de mélodie. Parce qu'il faut de la puissance mélodique pour que les gens ils kiffent à l'étranger. Et du coup, ça a amené un feat qu'on a pu entendre là, c'était Beef sur le titre Hola. Je prononce Bouf, mal. Il s'appelle Bouf. Bouf. Enfin, je prononce ça parce que c'est B-O-E-F. Exactement. Vous cherchez son nom sur internet, donc Bouf. Exact. Bouf. Voilà, artiste international aussi, puisqu'il est né à Aubervilliers dans le 93. Ouais. J'ai vu ça sur Wikipédia, ouais. En banlieue parisienne. Donc, il est d'origine marocaine, mais c'est un rappeur hollandais. Non, il est d'origine algérienne. Algérienne, ouais. Pardon, mais c'est un rappeur hollandais. C'est un rappeur hollandais. Il parle ni le français, il parle que hollandais. Ouais, il est né ici. Je crois qu'il est parti à 3 ans en Hollande. Mm-hmm. Et c'est juste le numéro 1 en Hollande. Et tu peux nous parler de cette connexion? Comment tu l'as rencontré, du coup? Eh ben, écoute, lui, ça fait maintenant un an et demi. Presque 2 ans qu'on se connaît. On s'est croisé souvent sur des festivals en Hollande. On a eu un très 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 bon feeling et on s'est dit qu'il fallait faire un titre. Et un jour j'étais à Bruxelles, j'ai commencé un petit truc, j'avais une petite mélodie, je l'envoie par WhatsApp et 3 heures après il déboule au studio et on a fait ce titre là Hola, qu'on a balancé en exclusivité sur Move, que vous pourrez retrouver dans le Wake Up Mix de DJ First Mike. Sur l'album, il y a aussi les connexions marseillaises normales comme Naps, Alonso et Soprano sur le titre Les 4 Fantastiques. Avec toi, l'Algérino, ça fait 4, exactement. On retrouve aussi Soul King. On va reparler de tout ça. Si vous avez des questions à poser à l'Algérino, ça se passe sur le compte Snap Move Radio. 6h-9h, Good Morning Sofran. Et dans l'album, l'Alger, tu parles aussi de femmes, beaucoup d'ailleurs de femmes, beaucoup d'amour et vivant. Vivi a noté quelques punchlines. Vivi, dans cet album, ça parle argent, ça parle des jaloux, ça parle de Bentley et ça parle de meuf. Exactement. Ah ouais. J'étais pas au courant. Sur le titre Hola, donc on a découvert en exclu ce matin, tu dis ça. Hola, mon dans le bolide, je suis le roi de la mélo. J'ai pas tika tika, j'aime trop ton style, je pète un cigarillo. Ma chérie, on va rôder toute la nuit. Ça revient quand même très très souvent, sauf que tu changes de bolide selon les sons, d'accord? Donc il y a la Féfé, il y a la Bentley, il y a la Rolls-Royce, sacré garage. Donc toi, tu charmes les filles avec un tour en voiture? En vrai, à la base, un tour en voiture, ça a toujours été charmant. C'est la classe. C'est la base des séries américaines, j'ai envie de dire. Comme disait Dave Bond, allez, viens tester de nouveau ces cuir. Je connais du monde ici. Ça dépend de la voiture, quand même. Hein. Ouais. Non, mais quoi qu'à l'époque, quand tu as 18 ans, tant que tu as une gov, tu es bien. Hein. Est-ce qu'il y a un spot, justement, à Marseille où on peut se poser pour. Tu nous amènes où? Il y en a des tonnes de spots à Marseille. Déjà, tu as toute la corniche. Nous, on aimait bien se caler à la Corbière, tu as Notre-Dame. C'est bon à savoir pour les touristes comme moi. Dans le titre tape le mille, il y a ce son, enfin il y a cette punchline. J'ai sorti la Rolls Royce, je t'offrirai plein de roses. Au vélodrome j'ai ma loge, je préfère tes yeux que tes fesses. Lol. Alors est-ce que je savais que tu allais me la sortir. Est-ce que c'est un vrai lol ou c'est un lol gêné? Oui, effectivement, je regarde quand même le côté pile en premier. Non, c'est un peu des deux. Toujours attiré par le physique d'une femme, c'est normal. Hein. Mm-hmm. Et en même temps, les yeux, c'est important aussi. C'est le reflet de l'âme. Voilà. Donc c'est un petit lol, en fait, je regarde les deux. Voilà, c'est un petit lol, il faut les deux. Il faut les deux. Ouais. Donc il y a le titre Les Menottes qui a tout cartonné. Elle t'a mis les menottes. Alors, l'Algérie, on t'a déjà mis les menottes, toi ou pas? Mais écoute, moi j'ai de grosses menottes et parce que je suis marié, t'as vu. Et d'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace. À chaque fois, elle me dit ouais, mais tu fais le célibataire, jamais tu dis que tu es marié et tout. Nan, nan, nan. Bon, voilà, je te fais un gros bisou. Non, mais faut faire rêver les groupes, il faut jamais le dire. Non, mais je lui dis, à un moment donné, c'est commercial tout ça. Bien sûr. Ok, donc grosse menottes. Il a travail, hein. Et puis, il y a le titre Féfé en double fil. Mais moi, je suis pas très difficile. Mademoiselle monte dans le bolide, viens tester le siège massant. Si je suis polyglotte, je peux même charmer en allemand. Je vais te faire rêver toute la nuit. Alors vas-y, un petit mot en allemand. Ich liebe dich. Ouais, excellent. Tous les matins sur Move. Wake up, wake up. Move.
Good morning, Sofran. Ich liebe dich, ça veut dire bonjour, comment vous allez bien? Je t'aime, évidemment. 8-26, vous êtes connectés sur Move. C'est Good morning, Sofran, avec moi, Vivi, Gianni, First Mike et Willax aussi. Et dans un instant, l'Alger, tu vas rentrer dans la Willaxphère. Bien sûr, on est avec l'Algérino avec nous jusqu'à 9-0-0. On parle de International, son album qui arrive le vendredi 22 juin. Encore une semaine à patienter. En tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Ça se passe sur le compte Move Radio. Faites comme Théo. Yes, salut l'Algérino. Dis-moi, j'ai une question sur le tournage de Va Bene avec l'équipe de Taxi. Est-ce qu'il y a une petite anecdote à raconter, un petit dossier sur quelqu'un? Allez, vas-y, bon courage pour la suite, tu gères. On rappelle, le clip est à 105 millions de vues et c'est vrai que l'intro, elle est énorme, l'intro. L'intro, elle a été écrite dans le train. Ah ouais? Ouais, on a écrit ça. Ouais, ouais, tous ensemble. Il y avait moi, Bengouz et un collègue qui s'appelle Ahmed, avec lequel j'écris plein de petites scénettes et tout. Ah d'accord, je pensais que ça venait plus, tu vois, de Malik Bentala et de Franck Gastambide. Oui. Non. Sur le clip, en fait, ils m'ont donné vraiment, vraiment carte blanche. Et par contre, quand on est arrivé sur place, on retapait des petits trucs parce qu'on était, nous, on est dans l'humour, on est très, très, très violent avec mes collègues. Il y a des trucs, qui auraient pu vexer la prod et tout. Donc, c'est ça, en fait, le truc, on arrivait. Vous aviez été mollo parce que vous ouais. Vous donnez un petit peu, il sort même des petites vannes genre Elvis ou ce genre ouais. De choses. Bon, encore moi, j'ai l'habitude de l'autodérision, mais après, il y a des gens que je connais pas. Ben, Luc Besson, c'est pas quelqu'un que je connais bien. Ouais. Et on commençait fort, hein. On rentrait, on disait, je sais pas, je me rappelle plus. Bon, Taxi 1, c'était pas mal. Taxi 2, non ouais, on n'a rien dit. Taxi 3, Taxi 4, on les a pas vus, c'est passé trop vite. Tu vois les trucs. Ça y allait fort, c'est vraiment, vous avez, Personne les a vus et après on partait sur Taxi 5. Donc bon, ben là, on a aseptisé un peu le truc. Là elle est très bien en tout cas, l'intro. Taxi 5 qui cartonne en tout cas. Par rapport aux autres taxis que tu as cités. C'est un vrai carton. C'est aussi peut-être pour ça que le morceau cartonne. Vous le retrouvez sur l'album International. Et encore, je dis ça, mais il y a plein de sons qui vont vous faire danser, comme ouais. Va Bene sur l'album. C'est vraiment un album fait pour danser, non? Écoute, c'est un album très, très ensoleillé. Mm-hmm. C'est pas fait que pour danser, c'est fait pour voyager. Parce que c'est un album qui fait voyager. Il y a quand même un titre qui s'appelle Hacienda, qui est un peu plus personnel. Ça ici, on manque d'air, on manque d'oxygène. Ils savent pas comme je reviens de loin. Ouais, je reviens de loin, moi. Rien que tu fais de parler, t'étais où quand j'avais rien. Passe trop vite et je perds mon temps. Y'a plein de choses que j'ai ratées. Y'a plein de choses que je veux oublier. Plein de choses que je veux rattraper. J'ai trop couru après l'argent. Je me suis essoufflé. Du mal à écrire ce couplet. J'en ai le souffle coupé. La gloire, le succès. Voilà, ça, m'a c'est pas un titre un peu plus poignant sur l'album. Ouais. Il est très bien, très, très ouais, bien. Y en a 3-4 comme ça. Y en a 3-4 comme ça dans l'album. Donc, comme tu disais, c'est un album qui fait danser, qui fait voyager. Et moi, bon, on me connaît sous l'aspect un peu aussi mélancolique, enfin ceux qui me suivent depuis le début, où il y a il y a de l'émotion, il y a de l'interprétation, il y a une oui, petite y a écriture. Ou même pour ta maman avec Allo Maman, il y a eu plein de titres ouais, souvent, exactement. Comme ça. Donc pour ceux qui te suivent depuis toujours, exact. Ils vont pas être déçus, au contraire, ils vont être agréablement. Et même moi, je me régale à faire ce genre de titres, j'en ai besoin. Végétaux ne comprend toujours pas tes lyrics. Végétaux, c'est VG Dream dans l'univers de Willax, dans la Willaxphère. Végétaux. L'Algérino. Et ça arrive juste après. Bah, c'est tiens, bordel, Willax. Va béni. Attention, et va chanter comme il a dit. Willax se transforme en végétaux et VG Dream qui ne comprend pas. Ça, c'est Végétaux d'Abidjan. L'Algérino est. Oh toi qui croyais qu'il est algérien, tu t'es perdu. Oh toi qui pensais qu'il était italien, tu t'es perdu. Oh toi qui pensais qu'il était espagnol, tu t'es perdu. Oh toi qui pensais qu'il était algérien, t'as qu'à lui demander. Tu parles de langue, demander. Tu parles aussi chinois, tic tac chong. Est-ce que t'es chicanos, banderas? Je crois que t'es algérinois. Eh, s'il te plaît, viens, on parle les langages des signes, c'est mieux. Hein. Franchement, on t'aime, le sang, mais y a des fois, fais des efforts. Bien joué, Willax. Good morning, Sofran. Bravo, c'est vrai qu'il interprète toutes les langues. C'est l'Algérino avec nous en mode international. Je pense que ce remix fera plaisir à VG Dream. Totalement. Totalement. t'as pas réussi à trouver la bonne tonalité. C'est galéré, c'est galéré.
rêves. Je voulais t'aider, mais je suis perdu. C'est bien. J'ai pensé à toi et je me suis dit, t'es devant l'Alger qui maîtrise très 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 bien l'autotune parce que c'est pas facile. C'est pour ça qu'il était impressionné. Non, mais c'est après, c'est une question de tonalité. S'il avait la bonne tonalité, ça aurait été. Ça aurait passé. Parce qu'après, il a carrément enlevé et ça semblait juste. Parce que toi, tu t'en sers souvent de l'autotune. Ça se maîtrise l'autotune. Faut rappeler que c'est un instrument quand même. Ouais, c'est un instrument. C'est pas qu'un correcteur. Toi, tu l'as pas dans la gorge comme dans la tonalité. Non, je l'ai pas dans la gorge. Parce que les gens, ils pensent que l'autotune, ça fait tout quand tu chantes, mais il faut le maîtriser. Il faut avoir l'interprétation qui va avec. Et voilà. Est-ce qu'il faut savoir chanter un minimum ou pas? Parce que moi, je suis vraiment une casserole de chez casserole. Il faut savoir quand même chanter un minimum. Mais tout est une question d'interprétation en fait. Comment tu vis le truc? On en reparle en tout cas sur Move et on a parlé. En tout cas, excuse-moi. Tiens, je voulais te dire que tu étais un monstre. J'ai écouté son remix de Guerilla et j'étais juste stupéfait. De Soul King. Parce que déjà, Soul King, il a fait une performance de malade. Soul King, qui est d'ailleurs son album. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et le titre s'appelle Adios. Yes. Tu connais. Il est fort. Il est très très fort. Et tu sais quoi? Il a fait le remix de Guerilla. J'étais choqué. Ah, merci. Parce que ces mélodies, elles sont pas faciles à. Ah, faut aller chercher. C'est une question d'interprétation. Une question. Restez connectés sur Move. On est avec l'Algérino. Posez-lui toutes vos questions. Ça se passe sur le compte Snap Move Radio. Et ouais, on va vérifier si l'Algérino parle effectivement plusieurs langues, car c'est un artiste international aujourd'hui. International comme le nom de son album qui arrive le 22 juin. Il se produit en Allemagne, il se produit en Hollande, en Italie, bientôt à New York. À New York. Montréal, Copenhague, Londres, Milan. Madrid, tout, quoi, tu vis encore international. Et on fait tout le Maghreb aussi. Et tout le Maghreb. Voilà. Bon, l'été va être chargé. On fait quoi encore? Les Émirats, je crois. Mais non. Non, sérieux, sérieux. Et tu fais beaucoup de festivals, ce genre de choses. Ouais, je fais beaucoup de festivals. Et il y a deux dates majeures en France. On fait l'Olympia le 31 octobre. Énorme. Ah, d'ailleurs, il y a un truc chelou sur l'Olympia et sur la date au Dôme de Marseille. C'est que c'est plus cher à Paname. C'est 32 balles à Paname et 25 balles au Dôme de Marseille. Ça, c'est pas moi. Ah, ça, c'est pas. Lui ou Soso? Les prix, c'est pas lui. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Un problème avec les Parisiens. Je vais voir avec la prod. Mike, il a regardé de près. L'Olympia, c'est toujours plus cher. Hein. Ouais, l'Olympia aussi. Ah ouais. T'as qu'à aller au Dôme. Non, mais ça va. Aller au Dôme. Au Dôme, c'est ton premier Dôme de Marseille. Le premier Dôme de ma vie. Énorme. Ouais. Tu vas fêter ça comme il se doit. J'imagine, il y aura tout le monde. J'ai hâte. Même l'Olympia, je suis chaud. Et le Dôme aussi, c'est à la maison. Il y aura la famille. Donc peut-être c'est. Ma mère, c'est la première fois qu'elle va me voir sur scène. J'ai hâte. Et on est en train de préparer un gros show. Alors, bientôt, tu seras au Portugal, peut-être. Mais ouais, t'as pas cité Lisbonne au Portugal. Ouais, bah, tu sais quoi, on t'a connu, nous, avec On est là, le titre On est là, c'était ça. Si t'as les crocs, lève ton bras. Si t'as le blues, prends mes mots. Si t'as le sang chaud, vas-y, on est chaud, sale con. On est là. C'était une prod d'Akarash, hein, d'Akenatan. Ça, c'est une prod de moi et de Amidou. D'accord, ok. Mais tu vas savoir un truc. Non, non, mais attends, il a raison, mais par contre, cet album-là, c'est Akhenaton qui a produit l'album. Ouais, c'était sur 300... 361 records. D'accord. Et ce titre-là, Akhenaton, du coup, que je salue. Du coup, à Lisbonne, ce titre-là, ça va donner quoi, l'Algérino, en portugais? C'est votre thème. Attends, le portugais, je maîtrise pas trop. Là, tu me poses une petite colle. Si, tout do ben. Je sais dire tout voilà. Do ben. Grâce à l'artiste. C'est votre thème pressas. Oh, magnifique. Arrives, tu le prends avec, tu vois, en bossa. Ah, ok, il faut. C'est votre thème pressas, l'evento. Exactement, question d'interprétation. Bah, c'est pas grave. C'est une question d'interprétation. Bah, dans ta tournée internationale, tu vas aller du côté de l'Italie, je suppose. Oui, stop and send. Mais l'Italie, je sais que tu parles bien. Stop and send, à quoi que devait faire. Questa mattina devi andare a fare la spesa perché a casa non c'è più niente da mangiare, salve si capisce la pasta che c'è sempre in una casa italiana. Le signe dit de la merde, on sait pas du tout. Il y a pas moyen de vérifier là. Là, je t'ai insulté tous tes aïeux. J'étais juste en train de dire que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire ce matin. Je vais sûrement aller faire des courses parce qu'à la maison, il n'y a plus rien à manger. Sauf des pâtes qu'il y a toujours dans une maison italienne. Voilà. Mais là où il m'a feinté, c'est que je crois que tu as dit ça déjà sur Snap et je me suis dit, punaise, il parle vachement bien italien. Moi, je te ménique beaucoup. Hein. C'est beaucoup du te ménique. Hein. J'ai un très bon accent italien. J'étais très bon en italien. J'ai perdu un peu, mais ça, tu as vu, je l'ai appris en troisième et c'est plus sorti de ma tête. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres langues quand même que tu maîtrises? Pareil, je t'ai bedi, en allemand par exemple. Hollandais, t'es obligé de maîtriser. Le créole? Non, alors l'hollandais, j'ai un gros souci. C'est un délire. L'hollandais, c'est une langue un peu compliquée. J'y suis souvent, mais là-bas, on parle. 10 fois par an. Ouais, mais on parle en anglais.
Ah oui, ils parlent beaucoup en anglais. Ouais, ouais. Mais ils roulent les R en anglais. Ouais. Et ils m'ont changé mon anglais, eux. Ils me font rouler les R maintenant. Yes, bro. No problem, bro. It's not a problem, bro. J'ai l'impression d'être un clando anglais, t'as vu? C'est un délire. Allez, restez connectés sur Move. 6h, 9h. Good morning, Safran. Tous les matins sur Move. Si vous avez des questions à poser à l'Algérino, ça se passe sur le compte Snap Move Radio. Gianni, tu vas faire du cinéma avec l'Algérino, j'allais dire l'artiste. Oui, mais c'est un artiste aussi. Tu vois que le réalisateur, il sera l'acteur. Moi, je te dis, je t'emmène aux Oscars, mon gars, parce que c'est pas Taxi 5 qui va. Oh, quel bâtard! Qu'est-ce que tu as pas de Taxi 5? C'est dans le L'Algérino, je te laisse avec Gianni pour le meilleur ou pour le pire. L'Algérino, bonjour. Déjà, je tenais à te dire que t'as bien fait de pas choisir ton blaze en rapport avec la France, parce que tu te serais appelé Francilo. Francilo, ouais. Et Francilo, mon gars, on s'attend à voir débarquer un marin en impair avec des bottes en mode. On veut pas Francino. Je suis au vieux port dans ma favela. J'adore les saris. Non, t'as bien fait, ma gueule. Francino. J'aime bien ton interprétation. Francino. Pourtant, je te vois vraiment Francino avec une sorte d'impair jaune. C'est génial. Tu vas cartonner en Bretagne. En tout cas, sur ton album, il y a deux choses qui m'ont marqué. Un, il y a pas Fianso. Et en ce moment, sortir un album sans feat avec Fianso. Fianso, c'est la famille en plus. Mec, c'est comme un bon match de Paul Pogba. C'est rare. Et surtout, t'aimes bien les filles et les bagnoles. Ça, on en a parlé. T'es le genre de gars, je t'invite à bouffer un dimanche midi, tu vas mettre le générique de Turbo, tu vois. Oh, putain, relou, mec. Attends, j'ai pas à manger, t'es chiant. Oh. Du coup, je voulais te faire plaisir, réunir tes deux passions dans un film, parce que je sais que t'aimes bien le cinéma aussi. J'adore. Putain, on a tellement de points communs, viens, on va boire un verre. Allez, vas-y, tu veux. Mais attention, cousin, je ne mange pas de ce pain-là. Je sais que tu es. Particularité du film, je suis le réalisateur, et tu vas devoir faire exactement tout ce que je dis. Ok? Allez, c'est parti, on démarre le film. Tu es John McAdam. Wow. John tu McAdam. Conduis au volant de ta Mustang sur les routes de la Californie. Et tu siffles une chanson. Et je siffle une chanson. Vas-y, John. Vas-y, John. John McAdam. Je sais pas, moi, je t'aurais mis le son de. Attends, de Karine là, avec Dev. Ah, ça arrive là. Ça arrive. Ah putain, vas-y. Parce qu'en fait, t'es très, très nul en sifflage. En sifflage. Et tu décides. Et tu décides d'allumer la radio. Vas-y, dis-le que tu vas allumer la radio. Et j'allume la radio. À la radio passe le titre que tu préfères au monde et tu le chantes. Il faut que tu saches. Vas-y, John. Tu l'emportes ailleurs. Merci dans tes danses. L'autre danse tes heures. Tout à coup, au loin, tu repères une jolie fille qui fait du stop. C'est Vivi. Aka Samantha Adams. Décris-la nous. Comment elle est, John? Elle est brune. Elle a les yeux clairs, c'est ça? Oui, c'est elle. Voilà. La voiture décélère, tu t'arrêtes à sa hauteur et tu lui demandes ce qu'elle fait là et tu l'invites à monter. Oh, qu'est-ce que tu fais, cousine? J'allais à mon cours de fitness, mais c'est beaucoup trop loin. Allez, viens, monte dans la voiture. Allez, viens, monte dans la voiture. Viens tester le nouveau siège en cuir. Je connais du monde ici. C'est un siège maçon ou pas? Vous repartez, en plus. Oh, ouais. Vous repartez et décidez de discuter de la confection d'un bon tacos. Tu commences moi ou toi? Est-ce que tu mets de la salade toi dedans? C'est très non, important la salade. Non, je mets pas la salade. Moi, c'est que, tu de, la salade c'est que de la sauce fromagère. Oh, j'aime bien le fromage. John, c'est l'instant drague. Tu lui sors ta pire phrase de relou. Bon, commence pas à me casser les couilles maintenant. Non. Tu vas monter dans la voiture. Étonnamment, ou je vais ça te traîner par les cheveux. Ça marche. Attends, un peu de violence, bordel. Ça marche sur Vivi, étonnamment, qui aime la violence. Et qui te demande j'adore quelque chose. J'adore ça. Et qui te demande quelque chose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, John? Mais écoute, je suis à mes heures perdues, je fais du piano, de la guitare. Oh là là. Les esprits se détendent. Tu lui sors une petite blague, John. Et elle rira très très fort. Alors, il y a deux culs qui se promènent dans la plage. Il y en a un qui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» L'autre, il fait « Ah, il est si drôle !» Elle rit. Il est si drôle. Elle rit fort. Je suis conquise. Vivi est totalement conquise. Vivi a envie d'aller au restaurant et te demande ce que tu aimes manger. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes manger? Et là, tu lui sors ta fameuse réplique. Les penne ma bella, la 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 la, avec un œuf une carbonara, la 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 la. Les penne ma bella, la 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 la. J'aime bien aussi le gorgonzola, la 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 la. Et la voiture accélère, et ils disparaissent sur la route californienne, les amis, voilà. C'est la fin. Dans le
rôle de Samantha Adams, c'était Vivi. Oui, merci. Ouais, ouais, merci. Et dans le rôle de John McAdam, sélectionné pour les Oscars, l'Algérino. Et avant de retrouver le quiz actu avec Faouzi, petit mytho, pas mytho, avec l'Algérino, il va nous raconter une histoire à nous d'essayer de deviner si elle est vraie ou pas. L'Algé, on t'écoute. Alors j'étais posé, tranquille. Non, j'étais pas posé, je roulais. Dans ma Benz. Et je reçois un coup de fil. Et je vois l'indicatif, il est bizarre. Tac, je réponds et ça parle en anglais. En américain, parce que c'est différent quand même. Et ça va, tac tac, il me raconte sa vie et tout. Et il me dit, ton titre, les menottes, on kiffe la vibe, la mélodie, tout ça. On aimerait bien faire un remix et tout. Je dis, ah bon? Je dis, envoie-moi la top line. Donc il m'envoie le truc. Il m'envoie les menottes version américaine. Genre la démo, quoi. Il s'est pas juste inspiré, exactement. Il a vraiment tout refait. Il a pris la mélodie, il a retapé la prod. Apple up and rolling. Anyway. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et après, il me dit, ouais, il y a Daddy Yankee qui veut récupérer ton son. Daddy Yankee, énorme star international, également de reggaeton. Voilà. Daddy Yankee qui était sur le titre, par exemple, de Despacito. C'est ça, c'est exactement. Bien en featuring dessus. Daddy Yankee qui veut reprendre les menottes. Tu prends des droits s'il le fait? Bah oui, évidemment. Alors, se gaffe s'il le fait, gros. Alors, pas mytho. C'est-à-dire qu'il va faire. Là, il a 357 millions ce clip, ça veut dire qu'il passera là certainement à 1 milliard, c'est sûr. Pas mytho. Et moi je voulais en parler, donc je vais dire pas mytho. C'était quand? C'était il y a 3 mois de ça. Pas mytho. Vivi. Moi j'ai envie de dire mytho. Elle y croit pas, Vivi a dit mytho. Elle y croit pas, Vivi. Relax. Donc toi tu dis que le titre c'était A Pearl of Pearl Money. Je crois c'est que c'est à dire A Pearl of Pearl Rolly. A Rolly. Yes. C'est bon mytho. Et donc on a Faouzi qui est déjà présent aussi. Faouzi, ton avis? Mytho, parce que c'était il y a 3 mois. Donc mytho. Alors c'est partagé dans la team. Il y a 3 mythos, 3 pas mytho. Alors là j'ai mytho ou pas mytho. Alors ce n'est pas du mytho, les gars. C'est du vérité. Je le savais. On avait raison avec Mike et Eddie. Mais faire, Mike. Alors t'as dit oui ou t'as dit non finalement? Non, bah, attends, c'est une fierté quand même. Quand un mec il veut reprendre ton son, surtout un mec comme ça, tu le laisses faire. Après c'est pas dit que le titre il soit réussi. Donc j'attends de voir ce qu'il va m'envoyer. Il met un peu de temps apparemment. Par contre, ça serait vraiment une première. Par contre, voilà, ce que j'ai dit c'est que vraiment il faut que le truc il me plaise. Que ce soit pas dénaturé et tout. Ah, tu peux mettre un get back à Daddy Yankee. Non, c'est pas forcément un get back. Non. Mais même, je pourrais donner même des idées ou quoi, tu vois. Reprends-le comme ça, Mais ça peut que tuer en espagnol, en anglais, tout. Ça peut déchirer. Écoute, on attend ça avec impatience. Tu viendras en reparler sur Move avec grand plaisir. Volontiers. Avec Daddy Yankee, tiens. ce serait énorme. À très bientôt, en tout cas. L'Alger, merci d'être venu nous voir merci ce matin. Merci pour l'invitation. On rappelle qu'il y a une grosse date. Ce sera au mois de novembre au Dôme de Marseille. Le 3 novembre au Dôme de Marseille et le 31 octobre à l'Olympia. Toutes les places elles sont déjà disponibles, donc voilà. Voilà, et avant ça, rendez-vous ce vendredi 22 juin, dans une semaine maintenant, pour aller vous procurer International, l'album de l'Algérino. 13 gros sons voilà, qui vont vous ambiancer, qui vont faire passer. Disponible déjà en précommande sur toutes les plateformes. Vous pouvez précommander et maintenant on peut pré-sauvegarder. C'est nouveau ça. En plus, voilà. Ouais, voilà. À bientôt, l'Algé. Tu es connecté sur Move.